Honorable député de Manicouagan. Ce n'est pas seulement en éducation que les besoins sont criants, Monsieur le Président. Selon une récente étude, le problème de la moisissure dans les logements ne cesse de prendre de l'ampleur. Plus de la moitié des logements habités par des peuples des Premières Nations sont infectés, ce qui cause de graves problèmes de santé. Le problème a empiré depuis que l'actuel ministre est en poste. Sa solution, c'est de distribuer des pamphlets. Quand le ministre va-t-il prendre la situation au sérieux? Oui, bonne question. Madame le ministre des Affaires étrangères. Mr. Speaker. Monsieur le Président, la santé et la sécurité des membres des collectivités des Premières Nations est une priorité absolue pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous avons élaboré, en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations, une stratégie nationale globale pour lutter contre ce type de problème, créer des logements plus sains dans les collectivités autochtones. Depuis notre accession au gouvernement, Monsieur le Président, nous avons construit ou rénové quelque 30 000 logements dans les réserves, avec un chiffre qui augmente chaque année, et nous finançons chaque année plus de 300 rénovations importantes. Honorable